Donc on commence là. Seigneur, nous bénissons ton nom encore cet après-midi. Nous te disons encore merci pour ce temps que tu permets, pour cette vidéo, papa, parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qui voit. Je vais encore te confier tous ceux qui vont entendre, tous ceux qui vont écouter cette vidéo, que toi, l'Éternel des armées, que tu manifestes encore ta gloire et que la parole leur fasse du bien. Parce que tu es Dieu, tu es l'Éternel, tu es le Tout-Puissant. Que l'honneur te revient cet après-midi. Saint-Esprit de Dieu, prends ma bouche pour parler à tes enfants et manifeste encore ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles cet après-midi dans le livre de Habacuc 2, du verset 1 jusqu'au verset 3. Nous allons parler de quelque chose qui est important pour nous les chrétiens, la prophétie, la parole de Dieu. Alléluia. Ici, c'est le prophète Habacuc qui nous parle, qui parle. Et je lis la parole de Dieu, Habacuc 2, à partir de verset 1 jusqu'au verset 3. Il dit, j'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais. Après ma plainte, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables. Afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Quand on nous dit, par exemple, quand un homme de Dieu nous adresse, qui nous dit la prophétie, te dit la parole de Dieu, voilà ce qui va s'accomplir dans ta vie, voilà ce qui va t'arriver. Mais toi, à qui cette parole s'adresse, ton attitude c'est comment? Quelle attitude on doit avoir quand une parole s'adresse à nous et qu'on nous annonce une prophétie, que voilà ce qui va t'arriver demain? Quelle attitude on a? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'Habacuc dit ici, le prophète dit, j'étais à mon poste, alléluia. Est-ce que tu es à ton poste? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que depuis qu'on t'a annoncé cette parole, tu te prépares, alléluia? Une bénédiction ne vient jamais sur un plateau d'argent, gratuitement, non. Dieu ne donne rien gratuitement, alléluia. Il a dit, le projet qu'il a formulé pour nous, c'est le projet de bonheur. Ça veut tout dire, alléluia. Ça veut dire que nous sommes les enfants de Dieu et ce qu'il a écrit dans sa parole, ça va toujours s'accomplir. Mais ça dépend de notre comportement. Ça dépend de notre attitude. Ça dépend de comment on attend la prophétie, comment on entend la parole. On attend la bénédiction, alléluia. Tu attends la bénédiction en te croisant les bras. Tu attends la bénédiction pendant que tu es là en train de faire ce que toi, ton cœur veut que tu fasses. Tu attends la bénédiction pendant que toi, tu es en train de faire comme les païens, ton comportement, c'est comme moi. Il dit, j'étais à mon poste et je veillais. Il veillait en priant. Il veillait en faisant son œuvre. Il veillait en évangélisant pour dire, Dieu est bon. Alléluia. Toi, tu sais que Dieu est bon. Tu sais que Dieu est le miracle. N'a soute à l'abeille. Tu sais que Dieu est un Dieu de miracle. N'a conseil, il est daï. Tu sais que Dieu est un Dieu de miracles, qui opère le miracle, qui bénit, qui fait des choses extra. Bon, tu fais quoi? Tu croises les bras pour regarder, pour que lui il vienne seulement te dire, tiens, non, une bénédiction, il faut la mériter. J'étais à mon poste et je veillais. Quand tu veilles là, tu pries. Quand tu veilles là, tu fais du bien. Quand tu veilles là, tu obéis à sa parole, tu marches selon sa parole. Parce que c'est sa parole.
Il dit, j'étais à mon père et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Quelle instruction tu as reçue de Dieu? Quel commandement tu as reçu de Dieu? Tu respectes ce commandement? Est-ce que tu respectes ce commandement? On respecte. On ne respecte pas. On pense que tout est permis et tout est utile. Et rien n'est utile. C'est pas parce que Dieu a créé des jolies femmes que toi. Je suis un homme et toutes les femmes doivent être pour moi. Niette. C'est pas ça. C'est pas parce que Dieu a créé des jolis garçons et que moi je dois sortir avec tous les jolis garçons. Non. Dieu a choisi un seul pour toi. Alléluia. Dieu a choisi un seul pour toi et c'est lui-là qui est pour toi. Tout n'est pas pour toi. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Obéis à la parole de Dieu. Habakkuk a dit, j'étais à mon poste. Yeke misi. Barina toriana zanda. J'étais à mon poste et je veillais. Alléluia. Dieu m'a dit tant. Je suis là, je veille. Je suis vigilant. Voilà, la vigilance. Il faut que tu sois vigilante. Il faut que tu sois vigilant. Veillez sur la parole de Dieu. Papa, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu m'as dit aujourd'hui? Je dois marcher comment? Qu'est-ce que tu veux que je... Waouh, slow! Qu'est-ce que je dois faire pour te faire plaisir, pour toucher ton cœur? Alléluia! Qu'est-ce que tu dois faire pour toucher son vêtement? Et puis, l'hémorragie va s'arrêter. Les difficultés vont s'arrêter. Les pleurs vont s'arrêter. Tu fais quoi pour Dieu? Tu ne fais pas pour ton ventre. Tu ne donnes pas des paroles pour qu'on puisse te dire que voilà, tu es devenu charlatan. Waouh! Dieu t'a dit quoi? Tu étais à ton poste, tu marchais selon sa parole. Tu marchais selon ce commandement. Tu n'allais pas voir les gens. Oui, j'ai prié pour toi, il faut me donner l'argent. L'or et l'argent lui appartient. Attends ce qui t'appartient, s'il te plaît. Une bénédiction. Il faut mériter ta bénédiction. Bénédiction qui n'est pas de Dieu, ça ne dure pas. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Un bien mal acquis n'a jamais béni. Un bien mal acquis, ça se termine toujours à queue de poisson. Un bien mal acquis, ça ne t'appartient pas. Ce n'est pas cette parole que Dieu t'a dite. Mais comme tu veux qu'on te donne l'argent, tu vas commencer à fabriquer. Et si tu fabriques, ça ne va pas te bénir longtemps. Ça sera pour un temps. Tu vas aller peut-être acheter des vêtements, et puis c'est fini. Hein? Ou bien aller se terminer dans le restaurant en train de boire, et ça va finir. Mais quand Dieu t'a donné, c'est pour l'éternité. Attends. Si la prophétie tarde, attends-la, parce que le temps est déjà fixé. Tu es dans le mois de juillet, bou. Yekirina Sunta, j'ai dit, tu es dans le mois de juillet. Double portion. La kirina sunte la daï. Chiffre 7. C'est le chiffre de la perfection. Niki barina zende. Dieu veut faire ta bénédiction. Dieu veut parfaire ta bénédiction, s'il te plaît. Marche selon sa parole et obéis. Alléluia. Oui. Habakkuk a dit, j'étais à mon poste et je veillais. Baina tete, niki manso. Tu veilles sur la parole de Dieu, tu obéis à sa parole de Dieu. Mais attends toujours. Parce que si tu obéis à sa parole, ça va, il va te surprendre. Il est un Dieu correct. Il est un Dieu juste. Les justes, ils ne vont jamais mendier leur pain. Le juste vivra par la foi. Parce que le juste, il sait qu'il est juste. Alors, il ne triche pas. Alors, comme tu ne triches pas, ta bénédiction est toujours là. Quel que soit le temps, ça va arriver. Et ça arrivera certainement. Parce que Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, mais il est Dieu. Jésus, le créateur du ciel et de la terre. Il fait de la terre son marche-pied. Marche selon sa parole. L'année 2020 ne peut pas finir. Et puis tu vas rentrer dans ta promesse. Alléluia. Il a annoncé, il te l'a dit. Mais toi, tiens-toi bon. Et fais ce qui est bon devant lui, pas devant les hommes. Faut pas regarder les hommes, faut pas écouter les hommes. Écoute ton Dieu. Manina turina zende. Zende, zende, zende. Yolu nasa, yolu nasai. Écoute ton Dieu. Et obéis à sa voix. Il va jamais te trahir. Loke, loke. Mini zanda, mini zanda.
Sois à ton poste et tu verras la gloire de Dieu. Sois à ton poste et tu verras que Dieu est un Dieu de miracles. Yesu, il est Dieu. Mantaramazonde. Ah, il est l'Éternel des armées. Il est le Tout-Puissant. C'est lui qui pourvoit aux besoins de ses enfants. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Hé, hey, l'Éternel s'adressa et m'adressa la parole. Et il dit, la Corina, zende. Il dit, écris la prophétie. Écris ce que je t'ai dit. Écris ce que je t'ai annoncé. Parce que je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, mais je suis l'Éternel. God, tu es Dieu, papa Yanni. Bourina Suntala de. Glory. Parce que tu es l'Éternel, papa. Parce que tu es le Tout-Puissant, papa. Parce que tu ne parles pas en vain, papa. Parce que quand tu parles, tu agis beau ici, là. Tu vas agir pleinement dans la vie de tes enfants. Ceux qui marchent selon ta parole. Ceux qui obéissent à ta parole. Yesu, Birina Sita. La prophétie, oh Jésus-Christ, elle s'accomplira certainement. Parce que le temps est déjà fixé. Parce qu'on est, on est dans le mois de juillet. Le septième mois. Là, il corps et ma zende. Si tu priais une seule fois, prie maintenant trois fois. Prie maintenant quatre fois. Oui. Pour accélérer, pour activer ta bénédiction, le temps qui est déjà fixé. Le temps est déjà fixé, Léi. Le temps de ton mariage est déjà fixé. Le temps de ton travail est déjà fixé. Le temps de ta guérison est déjà fixé. Le temps de ton miracle est déjà... Allô, Sandy Lobor, est déjà fixé par l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses sur la terre, Léi. Léi, c'est Léi. Hey, arrête de te plaindre, arrête de te lamenter, arrête de t'inquiéter, arrête d'avoir peur et rien ne t'arrivera parce que tu as mis ta confiance en l'Éternel. Tous ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Les montagnes autour Jérusalem. Ainsi l'Éternel a entouré ta vie. Oh, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Il t'entoure de son feu. Il t'entoure de sa protection. Il t'entoure de sa grâce. Il est l'Éternel des armées. Il n'y ment pas. Il ne ment pas. Il est un Dieu juste. Crois seulement et tu verras la gloire. Ah, crois seulement qu'il existe. Hein. Crois seulement qu'il peut tout. Crois seulement que c'est sa voix que tu as entendue. Crois seulement que tu ne resteras jamais comme ça. Crois seulement qu'il va changer ton histoire. Ton histoire va changer. Dans le nom de Yahweh, va changer. Amen, amen. Ton histoire a déjà changé. Dans le nom de Jésus. A changé, oh. Amen, amen. Ton histoire a déjà changé. Bainakou Santana Boy. Ton histoire a déjà changé. Dieu a déjà changé ton histoire. Alléluia. Parce que tu as mis ta confiance en lui, Bi Nasso. Parce que tu obéis à sa voix. Et tu obéis à ses commandements. Et tu marches selon lui. Ton histoire a déjà changé. Allo, ko Sandilo Boy. Minina Toriana Sandilo Boy. Glory na Sandilo Boy. Manina Sunday. Glory. Be city lo Lord. Il dit, je suis l'Éternel. Il dit, je suis le Tout-Puissant qui bénit. Nice Lord. Il dit, attends. Parce que le temps est déjà fixé pour toi. Toi qui as mis ta confiance en moi. Toi qui marches selon moi. Selon ma parole. Qui obéit à ma parole. Tranquillise-toi. Ton miracle. Et prêt, ton miracle. Attends ce temps de ton miracle qui change ton histoire, qui change ton nom et qui te donne un nouveau nom. Et il ouvre maintenant un nouveau ciel sur ta vie parce que tu es obéissant, parce que tu es obéissante. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Et il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme.
et elle ne mentira pas si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Oui, la parole va s'accomplir dans ta vie, mon enfant, mon fils, ma fille, mon enfant, mon petit enfant. Le qui m'en sont les bibio, yolue, yolue, yoluna sanda, waouh! Il dit, ça va s'accomplir dans ta vie. Parce que c'est lui qui a parlé, l'Éternel des armées, le Créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui a parlé. Ce n'est pas un homme qui a parlé. L'homme peut te mentir. L'homme peut te dire demain, je vais te donner tant, je vais te faire ceci. Après, quand tu vas arriver, il va se voir qu'il n'a plus cet argent. Mais lui, Dieu, il a parlé. Nous, oh, Dieu a parlé. Ça va s'accomplir certainement. Saisis la parole que tu as entendue de lui et commence à prier, commence à intercéder, commence à annuler tout plein de méchants sur la parole que l'Éternel t'a, sur la parole que tu as entendue de Dieu. Ça s'accomplira certainement parce que le temps est déjà fixé. Tu vas commencer à prier, s'il te plaît. Prie avec moi que le temps de mon miracle est fixé. Le temps de mon miracle est fixé. Le temps de mon enfantement est fixé. Le temps de mon travail est fixé. Le temps de ma joie est fixé. Le temps que je vois la gloire de Dieu est fixé. Maintenant, par l'Éternel des armées, Paul Inaké, ce n'est pas fixé par un homme, mais par l'Éternel. Le temps de ta guérison est fixé. Ton miracle est fixé. Mon enfant, crois seulement que Dieu peut faire tout pour toi. Tu vas prier avec moi. Tu vas saisir cette parole. Tu dis, Seigneur, je bénis ton nom. Parce que j'ai entendu ta voix cet après-midi me parler. Que le moment de ma bénédiction, ce que j'ai entendu de toi est fixé. Est fixé. Donc, j'ai saisi cette parole. Et je te bénis parce que c'est déjà fixé, parce que je veux recevoir tout ce que je t'ai demandé. Cette année 2020, ce mois de juillet est mon année de double portion. Prie avec moi. Seigneur, je bénis ton nom cet après-midi. Lumina sunta la dada. Je bénis ton nom cet après-midi parce que tu es un Dieu vivant. Parce que tu es un Dieu vivant, parce que tu es un Dieu qui parle, et un Dieu qui agit, Seigneur. Eh Seigneur, le temps de la prophétie de tes enfants est fixé. Oh Seigneur Jésus-Christ, elle ne tardera plus, Seigneur. Ça s'accomplira, ça s'accomplit maintenant, parce qu'on a entendu ta parole nous parler cet après-midi, Seigneur. Oh Jésus-Christ, ta parole, elle est vérité, elle est véritable. C'est pour ça que nous te disons merci. Merci. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Limisiti lubainake. Barina consentera dada. Eh Seigneur, merci. Parce que tu donnes encore la force à tes enfants. Parce que tu leur donnes encore la force d'aller à nos profondes avec toi et de marcher selon ta parole. Pour que ce que tu nous as promis, Seigneur, nous puissions rentrer dans nos promesses. Parce que tu es un Dieu de promesses. Tu ne parles pas en vain. Béni sois-tu. Parce que toi, tu es l'Éternel des armées, le Dieu véritable. Que la gloire te revienne cet après-midi. Tu bénis ton peuple, tu bénis tes enfants, tous ceux qui ont entendu, eh Seigneur, cette parole, tu réjouis leur cœur et tu permets qu'ils rentrent maintenant dans leurs promesses, dans leurs prophéties. Que la gloire te revienne parce que tu es vivant. Au nom de Jésus. Amen.